Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui avec Samir, on a décidé de te parler de PNL, de psychologie, de mise en pratique surtout, d'un outil pour t'aider à organiser et planifier tes projets et te donner un maximum de chances de les atteindre. Alors Samir, on parle de quoi exactement ? Alors on parle d'un outil, comme tu as pu le dire en fait, qui te permet d'organiser tes objectifs et de les planifier. Et en fait, il faut savoir que pour qu'un objectif puisse être atteint, il faut que cet objectif soit établi. Et un objectif, c'est quoi ? Alors un objectif, c'est un but, c'est une cible, c'est un résultat à atteindre. Et il y a Sun Tzu qui disait que en fait, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Je vais te donner un exemple. Un objectif, c'est un endroit où on veut se rendre. Et imagine qu'un jour, tu es en train d'attendre un taxi. Tu rentres dans le taxi commence à faire sa petite course et le taxi s'arrête pour permettre à une autre personne de rentrer. La personne rentre et au moment où le taxieur demande à cette personne où est-ce que tu veux aller, la personne dit je sais pas, roule et puis on verra bien où est-ce que ça me mènera. Qu'est-ce que tu penseras de cette personne justement qui rentre dans le taxi sans savoir où elle veut aller? C'est exactement la même chose avec les objectifs. Un objectif, s'il n'est pas défini, il ne nous mènera nulle part. Donc le SMART, c'est un outil justement qui va nous permettre de décortiquer et surtout d'établir nos objectifs pour pouvoir aller beaucoup plus facilement vers l'endroit où on veut se rendre. Exact. Alors le SMART, c'est un acronyme, il y a plusieurs lettres. Exact. La première, c'est S pour spécifique, on va commencer avec celle-ci. Ouais. Donc c'est quoi un objectif spécifique? C'est un objectif qui est suffisamment clair dans notre esprit pour savoir le reconnaître parmi des dizaines, voire des centaines d'autres objectifs et de dire c'est ça que je veux. C'est vraiment ce truc-là, dans telle mesure, avec tel détail, avec telle information. C'est ce qui nous permet d'avoir une vision claire de où est-ce que je veux me rendre. C'est un peu à l'image de ton taxi, hein. Je monte dans le taxi et je dis j'aimerais bien avancer. Ok, mais tu vas aller où exactement? C'est quoi le numéro de la rue? C'est quoi la place où tu veux te rendre? Et d'avoir un objectif qui est suffisamment spécifique, donc S de SMART, spécifique, va te permettre de pouvoir y aller plus facilement. Te dire que tu veux réussir dans la vie, que tu veux avoir un couple épanoui, que tu veux gagner beaucoup d'argent, que tu veux avoir de la santé, que tu veux obtenir peut-être un résultat, mais dans une vision assez globale, n'est pas suffisant. Il faut vraiment spécifier et rentrer dans le détail le plus possible. Et nous, en PNL, on parle beaucoup des sous-modalités. C'est qu'on pourrait prendre un objectif, rentrer dans les sous-modalités de cet objectif. Et en gros, ce serait de dire, moi, je veux une santé optimale. Et pour moi, ça signifie quoi? Ça signifie être en forme le matin quand je me lève, ne plus avoir de douleur dans mon corps, me sentir plus léger, avoir une digestion qui se fait facilement, ne plus avoir de maux de tête, ne plus tomber malade 5 fois par an. Voilà, c'est vraiment être spécifique sur qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas dans mon objectif. Et ça, c'est le S de SMART. Samir, le M, deuxième lettre, c'est quoi? Alors le M, c'est mesurable. Et du coup, en fait, pourquoi mesurable? Parce que un objectif, pour qu'il soit atteint, il faut pouvoir le mesurer. Il faut voir, justement, il faut des checkpoints sur notre chemin pour savoir qu'on est sur la bonne direction pour atteindre notre objectif. Et en fait, pour pouvoir le mesurer, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir des indicateurs. Des indicateurs, comme je disais, ça peut être des checkpoints, ça peut être le fait de découper aussi l'objectif en plusieurs sous-objectifs et de se dire, ça c'est ma première étape, ça c'est ma deuxième étape, ça c'est ma troisième étape. Et à chaque fois qu'on atteint une étape, on a cette capacité de mesurer et de voir. Quand je regarde derrière moi, je me dis, j'ai déjà fait tout ça et en fait, il ne me reste plus que ça pour pouvoir y aller. Et l'avantage aussi justement de définir des indicateurs, c'est que ça va permettre de gagner en confiance en soi. Parce que si on ne mesure pas, si on ne sait pas si on avance ou pas, il y a de fortes chances qu'on va être frustré en se disant ça avance pas suffisamment vite, j'ai pas l'impression que ça avance, j'ai pas l'impression que ça change. Et les indicateurs vont permettre de se dire regarde, en fait j'ai déjà fait tout ça, c'est super, il me reste plus que ça à faire. Et en fait, puisque j'ai été capable d'avancer sur le chemin de mon objectif jusqu'ici, il y a de fortes chances que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Exact.
Et du coup, peut-être de bien préciser que l'aspect mesurable, c'est autant quantitatif que qualitatif. C'est vraiment d'avoir, comme tu le dis, ces points de repère pour savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui montre que je progresse. Et je te dirais ce qui serait important de prendre en compte, c'est pas de te dire, OK, je veux perdre 10 kilos ou 10 livres, peu importe, et juste dire ça. Ce qui peut être bien, c'est de te dire, bah, je vais le rendre mesurable et je vais faire des étapes. Fait que je vais regarder pour chaque tranche de 500 grammes ou de 2000 livres que je vais perdre. Et ça va m'indiquer que je suis en train de progresser dans mon objectif. Fait que ça peut être aussi ce côté-là, le côté mesurable. Troisième lettre du SMART. Du coup, on est sur le A. Alors, le A, il y a plein de, je dirais qu'il y a plein de façons de l'envisager. Il y a comme adapté, il y a attirant, il y a accessible. Il faut que notre objectif, quand on va l'établir, il soit déjà intéressant pour nous. S'il y a pas un minimum d'intérêt ou de sens à faire quelque chose, ça va être difficile d'arriver au bout. Mais dans le côté atteignable, accessible, attirant, c'est vraiment de savoir qu'intérieurement, c'est possible. Qu'on ait vraiment le sentiment que, ouais, je sens que ça, je peux le faire. Je sens que je peux l'accomplir. Je sens que je peux y aller, que je peux réaliser cette chose-là. Et du coup, ça serait d'établir un objectif qui permettrait d'avoir ce sentiment que, OK, j'y vais. Et des fois, le OK, j'y vais, ça va aussi jouer sur, un découpage de notre objectif. Peut-être que mon objectif ultime, si je le regarde là tout de suite, il n'est pas atteignable en l'état. Je vais pas pouvoir l'atteindre, je vais pas pouvoir y arriver. Par contre, ce que je peux faire, c'est me mettre une première étape, deux étapes, trois étapes que je vais pouvoir accomplir. Et à partir de là, je vais pouvoir vraiment aller de ce côté-là. Donc, ça, c'est vraiment ce côté A du SMART. Est-ce que tu avais autre chose, peut-être, Samir, à ajouter sur ce point-là? Bah, moi, pour le atteignable, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que un objectif atteignable, ça a l'avantage d'augmenter notre motivation. Parce que si, justement, un objectif n'est pas atteignable, bah, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ne pas atteindre l'objectif, bah, on va avoir de la frustration, ça va alimenter nos discours internes négatifs et ça va pas nous aider, justement, à avancer. Et aussi, bah, le fait qu'un objectif soit atteignable et qu'on puisse l'atteindre, bah, ça va avoir des effets positifs au niveau biochimique. Par exemple, ben, il y aura certaines hormones qui vont être sécrétées par notre système, comme la dopamine, comme toutes ces hormones-là. Et ça, c'est des choses qui peuvent que nous aider à aller de l'avant et gagner en confiance en soi. Exact. C'est un point qui est effectivement important, ce côté d'impact que ça va avoir sur notre engagement et aussi peut-être sur le stress que ça peut occasionner. Justement, d'avoir un objectif qui est intéressant mais qui est pas atteignable, ça peut être problématique. Du coup, la lettre suivante, Samir, c'est le R. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le R, c'est réaliste. Et bah, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit pour l'atteignable. Un objectif qui n'est pas réaliste, ça a de fortes chances de nous frustrer parce que justement, on va pas réussir à atteindre nos objectifs. Donc, pour Exact. qu'un objectif soit réaliste, un, il faut qu'il soit adapté à nos ressources. Il faut qu'on ait les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver. Ensuite, il faut qu'il soit réalisable. Par exemple, si je devais prendre un exemple. Imaginons que je veuille aller sur la Lune. Alors, est-ce qu'on peut aller sur la Lune? Ça a déjà été fait. Mais par contre, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour aller sur la Lune? Alors, les astronautes, par exemple, vont avoir un stage, ils vont passer pendant un certain temps à s'entraîner pour aller sur la Lune. Il faut les moyens pour aller sur la Lune. Il faut la fusée, il faut toutes ces choses-là. Et donc, ce qui fait qu'il y a de fortes chances que pour moi, cet objectif-là ne va pas être réalisable. Donc, toujours faire en sorte qu'un objectif puisse être réalisable. Et ça permet encore une fois aussi d'éviter le découragement. Si à chaque fois je tape sur des objectifs que je ne pourrais pas atteindre, qui ne sont pas réalistes pour moi, ben il y a de fortes chances que ça va encore une fois Ça va être alimenter compliqué. mes croyances négatives, mes croyances peut-être même limitantes, et au bout d'un moment, en fait, ça va nous empêcher d'avancer. Exact. Ah, c'est super intéressant ce point-là. Et encore une fois, c'est peut-être d'ajuster parfois, du coup, nos objectifs de façon à ce que on puisse se rendre compte que bah, il y a parfois des objectifs qui sont pas réalisables en l'état. Mais si on les ajuste un petit peu, ça va devenir du coup plus réalisable. Et dans ce cas-là, on va pouvoir avancer, quitte à reprendre ses objectifs un peu plus
un petit peu plus ambitieux finalement pour la suite, de les remettre en place une fois qu'on aura déjà atteint nos premiers résultats. Et qu'il nous reste une seule lettre à voir dans ce SMART, c'est le T. Et ça, c'est un point qui va être important aussi parce que c'est la notion de temporalité. Alors, il y a une règle en gestion du temps qui dit que tout prend autant de temps qu'il y a de temps disponible. Et l'idée ici, c'est d'intégrer le fait que si je ne mets pas de deadline, si je ne mets pas de limite sur la ligne du temps pour réaliser quelque chose, alors une partie de moi va considérer que j'ai tout le temps disponible pour le faire. Et ça veut dire que un projet qui peut me tenir à cœur pourrait mettre 15 ou 20 ans à voir le jour, alors que si je me mettais une deadline spécifique, peut-être qu'au bout de 3 ans, peut-être 2 ou 1 ou 6 mois, j'en sais rien, mais on aurait plus de chances de le voir se réaliser. Et c'est pas rare de rencontrer des personnes qui se disent « Oh là, si j'avais su, j'aurais pris le temps avant, maintenant c'est trop tard, maintenant je peux plus ». Bon, ça encore, c'est une vision du monde, il y a toujours des possibilités. Mais de bien prendre conscience que il y a des rêves, probablement, que tu portes en toi, des objectifs que tu as dans ta tête. Et ça fait peut-être 10, 15, 20, 30, 40 ans que tu les as en tête et que tu n'as toujours pas accompli quelque chose par rapport à ce sujet-là. Donc, il serait temps de te mettre une deadline et de te dire, voilà, moi, je veux atteindre tel objectif et je me donne 6 mois pour le faire, je me donne 1 an pour le faire, je me donne 2 ans pour le faire, peu importe, mais d'avoir ce timing, ce temps de poser, ce point de repère sur ta ligne du temps établie, va te permettre de passer plus facilement à l'action et de t'engager dans la direction dans laquelle tu veux te rendre. Fait que la notion de temps, elle est super importante et je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'avais 5 ans, j'ai voyagé avec mes parents, j'ai eu la chance de voyager beaucoup à travers le monde avec mes parents, et je suis venu en Amérique du Nord. Et à l'âge de 5 ans, je m'en souviens, j'étais dans un parc au Canada, et je me suis dit, un jour, je viendrai vivre ici. Mais la notion de temporalité, elle n'y était pas du tout. Si bien que j'ai mis un petit peu plus de 25 ans pour réaliser cet objectif-là. Alors c'est sûr que je n'allais pas le réaliser quand j'en avais 10, quand j'en avais 15, probablement que j'aurais pu le faire quand j'en avais 20 ou 25, mais... Non, ça a mis un petit peu plus de 25 ans pour se produire, mais ça s'est produit. Et en fait, ça s'est produit quand j'ai décidé, quelques mois avant, de dire dans un an maximum, je suis parti là-bas. Fait que la notion de temporalité, elle est super importante parce que si tu ne places pas tes objectifs dans le temps, et bien sûr, s'ils sont pas atteignables, réalisables, s'ils sont pas adaptés, s'ils sont pas spécifiques, s'ils sont pas mesurables, bon, tout ça c'est important, mais si tu finalises pas avec la notion de temporalité, ça va être super compliqué, ça va te prendre un temps fou. Donc voilà, maintenant tu as tous les outils nécessaires pour pouvoir établir tes objectifs. Maintenant, tu as la capacité, lorsque tu auras un objectif, de l'emmener faire un tour en SMART et à ce moment-là d'avoir un objectif qui va être beaucoup plus facile à réaliser. Et peut-être ajouter, c'est vrai que dans le spécifique, tu avais expliqué en fait que l'objectif doit être précis. Mmh. Il y avait aussi cette histoire d'objectif et d'anti-objectif, Julien. C'est-à-dire qu'un objectif dans lequel on va utiliser de la négation, bah ça va pas marcher. Par exemple, je ne veux plus fumer. Bah, tout à fait. C'est quelque chose qui va pas t'aider justement à réaliser tes objectifs, parce que déjà un, le cerveau ne comprend pas la négation, et de deux, bah quand tu établis ton objectif de je ne veux plus fumer, bah, tu mets l'objet de tes désirs dans ton objectif. Il y a le mot fumer. Donc, exact. Le cerveau va vouloir, quoi qu'il arrive, aller vers ça. Et du coup, en fait, lorsqu'on établit un objectif, il faut s'assurer toujours de mettre à la place qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux quand tu vas arrêter de fumer? Tu veux te sentir bien? Tu veux te sentir libre? Tu veux peut-être mettre de l'argent de côté parce que ça te coûte beaucoup d'argent? Et c'est ça, en fait, c'est de lister tous les bénéfices pour lesquels tu voudrais arrêter de fumer. Et c'est ça, en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir établir ton objectif. Exact. Déjà, j'aime bien l'exemple que tu donnes, l'image que tu donnes avec la SMART. Je trouve ça chouette de se dire, tiens, j'emmène mon objectif en SMART. Et puis tu fais bien, effectivement, de respécifier ce point. C'est un point sur lequel on travaille avec nos clients de façon systématique. C'est à l'établissement des objectifs, d'être sûr de répondre en fait à différents critères qu'on voit durant notre formation de maître praticien.
les différentes étapes pour réussir à établir un objectif qui engage tout le système. Mais déjà, là, tu as entre les mains le principe du SMART. Si tu appliques déjà ce principe et que tu l'appliques et que tu le respectes et que tu l'emmènes jusqu'au bout, ça va t'amener déjà beaucoup, beaucoup de résultats super intéressants. Ben voilà, ben maintenant tu as tous les outils nécessaires pour pouvoir définir tes objectifs. Et n'oublie surtout pas que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et une autre phrase que j'avais entendue une fois dans un podcast, un objectif flou mène à une connerie précise. Donc, prends le temps de définir tes objectifs, pose-toi, et c'est seulement en prenant ce temps de définition des objectifs que tu vas pouvoir les atteindre. Sinon, tu vas tourner en rond, sinon tu vas encore une fois te frustrer puisque tu vas pas réussir à produire du résultat. Donc vraiment, prends ce temps avant chaque projet de définir tes objectifs et de le passer dans le SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc toi qui nous écoutes, si tu as aimé cet épisode, on t'invite à liker, à commenter, à partager autour de toi pour faire passer l'information. Et on te dit à très vite dans un prochain épisode. Et surtout, je t'invite à croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que tu es magique et on te dit à la prochaine.